mes racines, elles sont bretonnes, donc le pays de l'Orient, ça en fait partie. Il y a des belles choses partout, donc c'est difficile de les trier. Un petit coin, mais je me le garde. Ah, c'est ça. Bah, l'hôtel Gabriel. Bah ouais, nous c'est, ouais, c'est notre petite pépite, ouais. Notre petit coup de cœur. Ouais. Ouais. Avec en plus, il est détourné maintenant qu'elle est là, donc ça met un peu plus de vie encore. Le tour de la pointe de Gavre, c'est sympa à faire. C'est pas très long et ça le fait bien. Et la dernière fois que je suis venue, nous sommes allés visiter le port. Et le port de pêche, donc c'était super, puisqu'on a vu la criée, on a vu les bateaux de pêche et on a vu même des bateaux qui étaient en réparation. Bah, moi, quand je reviens en Bretagne, ce que j'aime, c'est aller au bord de la mer parce que ça me manque et que c'est trop beau. Bah, écoutez, moi qui arrive de la moyenne montagne, là, je suis en pleine découverte et puis tous les jours, c'est la mer. Moi qui adore la course au large et tout ça, voir des skippers et tout. Là, je suis aux anges ici. Et du coup, bah, ça, c'est quand même assez inattendu parce que c'est ici où on a le plus de bateaux de course. Il y a des coins ici sur le port de pêche et carrément des beaux graphes qui sont faits avec l'avenue de la Perrière, qui est un bel endroit à redécouvrir. On a les bateaux-bus sur l'Orient. Et on peut naviguer pas mal entre l'Orient et Port-Louis. Assez sympa aussi de faire une petite sortie en famille ou avec les amis. On leur montre un peu la rade de l'Orient. Eh ben, prenez le bateau et allez à Groix, parce que ça fait partie du pays de l'Orient, mais malgré tout, on est sur une île et on est totalement dépaysé. Alors l'inattendu, alors moi j'ai plein d'inattendus en fait, mais là il me faudrait plus de 10 secondes pour pouvoir répondre, et il faudrait que je vous amène.